Yo les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, une nouvelle journée. Donc là, exceptionnellement, on se retrouve le week-end. Donc on est samedi matin. Il est 8h30, vous avez vu, je suis déjà pesé à jeun, j'ai déjà pris mon petit-déj. J'ai décidé de vous filmer là le week-end, donc samedi, éventuellement dimanche, en fonction de mon emploi du temps. Tout simplement pour changer des journées quotidiennes de la semaine où il n'y a rien d'intéressant. Donc je préviens là pour le début de vidéo. Tout ce que vous allez voir au cours de cette vidéo, c'est pas du tout mon quotidien en semaine. Et même si je suis en sèche, vous risquez de voir. Voilà, si vous me suivez depuis un moment, vous avez commencé les week-ends avec moi. Je compte pas mes calories. Il y a pas mal de cheats et de bouffe pas vraiment précise pour une sèche. Donc, vous avez vu au niveau du poids, je suis à 85,8 kg. Je m'étais pesé juste avant de vous filmer à 85,2. Voilà, avec le short et l'iPhone, il y a un petit peu de poids qui s'est rajouté. Mais en tout cas, le poids, il diminue toujours, ça fait plaisir. Et je le vois au niveau physique. Donc, je vais juste vous faire une update rapidement dans la salle de bain. Donc, attendez, on va tourner ça. Bon, c'est un peu con parce que je viens de manger, du coup, je suis un petit peu ballonné. Mais vous voyez que la sèche progresse vraiment bien. Donc, au niveau des abdos, ça devient de plus en plus sec. Et défini, surtout que là on est samedi matin, donc j'ai eu toute une semaine de diète, donc c'est pour ça que je rends un petit peu plat, mais il y a vraiment quasiment zéro rétention d'eau là. Ça se voit surtout au niveau des obliques et du grand dentelé. Ensuite, au niveau des bras, donc comme je vous ai dit, vu que c'est seulement le début du week-end et que j'ai pas encore rechargé en butyl en calories, je suis plat, donc il y a zéro pump, il y a zéro veine. Mais bon, je vais m'entraîner plus tard dans la journée, vous verrez la différence avec un pump. Donc voilà, niveau épaule, le triceps devient plutôt pas mal. Voilà, pour de face que ça donne. La dernière fois, on m'avait demandé les jambes, mais je sais pas si vous pouvez voir là. Regardez. Ah, on voit un petit peu. Elles sont pas énormes, bah, comme d'habitude, mais elles commencent à sécher plutôt pas mal. Donc voilà. Pour l'update physique du jour, à 85,5 kg, on va dire. Voilà. Vraiment satisfait du rendu. Plus qu'à garder le rythme. Encore, je pense, d'ici 2-3 semaines, je serai vraiment pas mal. Voilà. Donc, sinon, comme je vous ai dit, là, j'ai vraiment du taf. Donc, je vais devoir m'y remettre. J'ai 32 pages à écrire pour dans 2 semaines. Et le tout en allemand. Donc, c'est vraiment pas une partie de plaisir. Je suis un petit peu dans la merde. Sinon pour aujourd'hui à midi je vais manger resto normalement et ce soir ça sera un gros barbecue. Donc voilà, rien de fou pour une sèche, je vais également vous filmer l'entraînement de cet après-midi. Du coup voilà, je vous emmènerai la caméra au cours de la journée et on se retrouve plus tard. Ah oui, sinon en vrai j'ai toujours la galère de ce vélo. Donc attends, je vais vous montrer dans ce sens. J'ai toujours pas changé la roue arrière, donc celle qui était crevée. Ça fait quoi? Ça fait un mois je crois que je vous ai fait la vidéo. Mais le truc, c'est que là, je suis à Strasbourg et donc j'ai pas le moyen de le mettre dans ma caisse parce qu'il rentre pas du tout. Et j'ai vraiment pas le temps et la flemme d'aller changer cette roue moi-même. Donc là, je vais essayer de démonter les deux roues pour pouvoir la mettre dans ma voiture. Et je vous avoue qu'en mécanique, je suis vraiment une bite. Enfin, c'est même pas de la mécanique, mais avec la chaîne et tout, là, je sais même pas comment on enlève cette roue. Du coup, je pense que j'ai enlevé la roue avant pour pouvoir mettre la partie arrière dans ma voiture. Et comme ça, vu que je rentre à Mulhouse là d'ici une demi-heure, je vais remettre ça dans ma voiture et changer la roue ce week-end. Pas fameux le base. Je suis vraiment l'homme le plus nul de la planète. Putain, pour démonter un vélo, je suis même pas capable de faire ça. En fait, j'ai enlevé ça qui reliait les. Je sais pas comment on appelle ça, la roue en gros. Et j'ai commencé à tirer pour enlever ça. Mais le truc, c'est que ici, là, les caoutchoucs du frein. Bah, ça bloque le pneu. Du coup, je sais même pas comment on fait pour desserrer les freins. Et du coup, le vaille, c'est que j'ai voulu faire la même ici. J'ai enlevé ça là. Et j'ai voulu juste simplement tirer la roue pour dévisser ça. Mais on a le même problème qu'au niveau de. Attendez, faut focus. Là, les freins, ils bloquent la roue. Et j'ai essayé de dévisser les freins. Mais j'ai aucune idée de comment ça fonctionne. Du coup, voilà. J'ai 23 ans. Et je vais devoir checker une vidéo YouTube pour enlever une roue de vélo. Si ça c'est pas ridicule, je sais pas ce que c'est. Bon, finalement j'ai même pas eu le temps de prendre cette foutue roue de vélo, tout simplement parce que
J'ai commencé à capter le truc, mais après, comme je l'ai dit, je dois aller au resto et en fait, c'est à midi. Et j'ai 1 heure de route pour rentrer à Mulhouse. Du coup, j'ai archi pas eu le temps et j'ai paniqué. Et... voilà, du coup, j'ai dû faire mes affaires rapidement et partir. Là, on se retrouve dans la voiture. Et voilà. Ok les gars, on se retrouve dimanche matin, il y a eu donc un gros changement de programme, j'ai pas vu, pu vous filmer tout ce que je voulais hier, tout simplement parce que j'ai enchaîné avec la route, ensuite je suis cash allé au resto, après j'ai fait un tennis et le soir j'ai dû faire des courses pour... on avait un gros barbecue chez moi avec des potes, du coup c'était un peu la merde pour prendre le fun et vous filmer tout ça. Là le temps il est vraiment dégueulasse, attendez je vais vous montrer ça vite fait, mais ouais en ce moment c'est vraiment chiant, il pleut. Hier, on a fait le barbecue, il a plu toute la soirée. Du coup, ouais, c'était pas ouf. Donc là, on est dimanche matin, il est 9h, je viens de me réveiller. Je suis encore un petit peu ballonné d'hier parce que je me suis mis bien. J'ai bien mangé, même si c'est resté propre, c'était donc des brochettes, mais voilà, quand on mange beaucoup de viande, ça cale bien. Donc là, le petit déj, ça va être, je pense, sûrement des céréales à nouveau parce que les céréales, je kiffe ça. Avec un shaker de whey et un bon café. Ok les gars, donc comme je vous ai dit pour le petit déj, ça va partir en un gros bol de céréales avec les meilleures céréales à mon sens. Attendez, je vais vous montrer ça. Les Nougat Beats. Donc en fait c'est l'équivalent des Trésors, mais c'est celles qui viennent du Lidl. Et honnêtement, quand il y a des trucs qui viennent du Lidl, c'est souvent extrêmement bon. Genre là le goût chocolat et nougat il est 1000 fois plus prononcé que les Trésors. Voilà, s'il y en a qui ont un Lidl. Après ça c'est celle d'Allemagne, elles sont encore meilleures que celles en France, je sais pas pourquoi. Mélanger ça tranquille, ça va être full calories. Mais bon c'est le week-end, là c'est dimanche, je me fais encore plaisir. Et putain je fais que tourner en rond. Voilà je vais manger ça et on se retrouve plus tard, à toute. Bon, je viens de déposer mon frère à la gare, là je suis à la boulangerie. Je viens d'acheter une baguette de pain pour les restes du barbecue. On s'en bat les couilles en fait, mais c'est juste pour dire que là vu que je suis sorti, le temps il a pas l'air trop dégueu. Du coup, il y a peut-être moyen que cet après-midi je puisse ressortir la moto. Donc voilà, c'est juste pour dire ça. Ça ferait vraiment plaisir de faire un petit tour en moto, là ça fait quasiment un mois que j'ai pas roulé. Du coup, je pense que ça devait être plutôt bon, juste s'il pleut pas parce qu'il y a pas mal de nuages noirs. Du coup, ouais. Allez, on se retrouve peut-être pour un tour en moto. À toute. Ok les gars, garage ouvert. Vous voyez, il fait salement beau. Donc là, il y a le soleil, le ciel bleu. Il fait limite trop chaud. Donc je viens d'enfiler la veste de moto. Je vais pouvoir faire un petit tour tranquille. Je vous montre celle que je vais rouler. Donc la Kawasaki Versys 650. Malheureusement pour la Z900. Je dois encore attendre une bonne année que le permis A2 se finisse. Parce que celle-là, en fait, elle est trop puissante. Donc je dois me contenter de la Versys 650, bridée à 48 chevaux. Donc voilà, le bolide au soleil. Donc la Versys 650 en noir, basique, avec les protèges au niveau des mains, mais on s'en fout un petit peu. Donc voilà, bridé à 48 chevaux à cause du permis A2. Mais bon, honnêtement, 48 chevaux sur une moto, c'est déjà pas mal. En seconde, troisième, ça permet de se faire plaisir comme il faut. Et de toute façon, je roule pour qui le kiff. Et voilà, donc comme dit, je vais même pas rouler trop longtemps, je pense. C'est juste que là, ça fait quasiment un mois que j'ai pas roulé avec les week-ends où je devais bosser, les week-ends où il pleuvait. Du coup, ouais, juste envie de rouler tranquillement pour faire un petit tour. Profiter du beau temps et les motards qui me suivent savent à quel point c'est kiffant de prendre la moto, voilà, de se sentir libre. Même si là je suis en train de suer, il fait salement chaud d'un coup, le soleil il est venu. Mais bon, la sécurité avant tout, hein, vous connaissez. Voilà, plus qu'à chercher les papiers. Et on est parti. Hein. Allez les gars, c'est l'heure de se barrer. On va démarrer ensemble. Bon, même si c'est pas un bolide de ouf, ça fait toujours plaisir. Du coup, c'est parti.
et on se retrouve plus tard. Voilà les gars, comment passer du tout au tout. Donc je viens de rentrer, je me suis direct changé parce que je vais devoir aller à la muscu. J'irai à la salle d'ici 10-15 minutes au programme une séance pec, épaule, triceps comme je vous l'ai dit, avec un focus, enfin un petit peu plus d'épaule que ce que je fais d'habitude avec les pecs. Et je vais essayer de vous filmer ce que je peux, je pense que je serai tout seul donc je pense pas que je pourrais vous filmer grand chose et avec des effets stylés, donc je vais simplement poser le phone et filmer ce que je peux. Voilà, en tout cas ça va être une bonne séance. On se retrouve à la salle et je vous souhaite un bon visionnage. Voilà, séance pec, épaule, triceps fini. Je vais vous montrer le petit pump de fin de séance. A savoir que quand les triceps sont congestionnés, la définition est moins présente. Ah, ça crampe. Voilà. Moi, je vais pas mettre torse nu, je vous ai déjà fait une update au début de la vidéo. Mais bon, voilà à quoi ça ressemble au niveau du physique complet. Les mollets les plus énormes de France. Ah, et c'est un truc de fou, hein, sèche, dès que tu contractes, tu tapes des crampes de ouf. Donc voilà, séance finie, j'espère qu'elle vous aura plu. Moi, putain, des sales sensations. Les épaules, je vous ai pas montré. Moi, je pense qu'il n'y a pas une grosse lumière, mais il y a un gros pump en ce moment au niveau des épaules. Et ça, ça fait vachement plaisir. En fait, avec la sèche, les épaules, elles sont cache-striées. Ça donne direct l'aspect 3D, et ça, ça fait vraiment kiffer à voir. Et... voilà, séance finie, je vais rentrer. J'ai quasiment rien mangé depuis midi. Enfin, j'ai rien mangé depuis midi, à part reste de barbecue. Là, je pense que je vais me faire un shaker en rentrant pour les protes. Mais là, il est déjà 18h passé, je dois faire les affaires. Remonter sur Stras. Du coup, voilà. Là, je vais rentrer à la maison et je vous retrouve plus tard pour la fin de la vidéo. À toutes. Ok, les gars, avance rapide avec la meilleure transition du monde. Vous avez reconnu l'endroit. Je viens d'arriver donc à l'appart, à Stras.
avec un invité spécial. Regardez, il m'attend bien sagement. Le meilleur vélo de la planète. Il m'a attendu sagement pour que je le répare. Putain, je vais devoir faire ça cette semaine, sinon je vais jamais le faire de ma vie. Il va pourrir là sur le balcon. Donc là, il est... Ouais, il est assez tard. 20h, 21h, j'ai même pas regardé l'heure. Ça va être l'heure de dîner, donc je vais me faire plaisir une dernière fois ce soir. Rien de fou, j'ai du pain, du fromage et un peu de viande. En entrée, je vais manger ces chips. Donc cette marque, les Bretz. C'est à mon sens vraiment les meilleurs chips. Tous leurs parfums, ils sont vraiment ouf. Là, j'ai pris chèvre parce que ça faisait longtemps. Sinon, rien de fou, faut que je taffe encore ce soir. Putain, je suis vraiment un gros. Ouais, voilà. Faut que je bosse, même si on est dimanche soir, il n'y a pas le choix. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, hein, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, à liker, à partager. Vous savez que ça fait toujours plaisir. Et je vous dis donc à la prochaine vidéo. Ciao la famille.